Et what's up les gens, c'est Deken, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui sur la Néobank TV pour une vidéo assez spéciale, hein. Une vidéo en trois étapes, hein. Information, présentation et gameplay, voilà, c'est pas vraiment petit tuto quand même, à la fin vous verrez. Enfin pas à la fin mais au milieu de la vidéo, vous verrez bien. Alors déjà avant que je parle de moi, etc., je voudrais vous parler une chose sur la chaîne, c'est que plus de qu'enfin que la chaîne a eu précédemment un petit piratage. Peut-être que si vous êtes amis sur Facebook ou que ce soit, vous êtes au courant. C'est juste que elle a perdu plus de 60 vidéos et 70 000 vues sur la chaîne. Plus de 4 mois de travail ont été perdus, voilà. Mais bon, si vous voyez des vidéos qui reviennent, etc., c'est parfaitement normal. C'est la chaîne qui remet en place toutes les vidéos, hein. C'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Et voilà, c'est tout ce que je vous avais à dire en premier. Enfin non, même pas, j'ai autre chose à dire. Quelque chose de très important, c'est Val, qui arrête de commenter les gameplays pour l'instant. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que Machado va être là dans pas longtemps. C'est pour ça qu'une autre personne est là, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas trop contact avec lui, c'est quelqu'un d'autre de la team, il a déjà fait une vidéo, là, un commentary. Voilà, c'est juste que Val nous quitte. Pour différentes raisons personnelles, hein, bien sûr, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. C'est parfaitement normal, c'est parfaitement personnel. Alors déjà, je me présente, hein. Moi je m'appelle Bastien, hein, sous le pseudo plutôt de Deken. Je suis manager PS3, enfin manager Desserto PS3 plutôt pour la Neobank 13. Hein, je m'occupe de tous les rosters PS3 Desserto. Pour l'instant, on n'est que tout seul parce que ça vient de se faire, je crois. Ou il y en a deux, je sais plus. Je crois qu'il y en a. Ah non, non, je viens juste de dire une connerie. Il y en a deux, un BO2 et un PS3. Voilà, enfin un BO2 et un Ghost. C'est juste que j'ai pas. Ouais, j'ai pas calculé, je savais plus qu'il y avait deux rosters, ouais, bref. Je plante le décor du gameplay quand même. On est sur très mort, je crois. Je sais même plus c'est quoi la map. C'est la map. C'est siège, voilà, pardon. Siège, une map assez ouverte quand même, mais à des endroits assez renfermés. Je vous expliquerai pourquoi ça après. Pourquoi je dis ça. Voilà, bref. Ce que je voulais aussi parler dans la vidéo, c'est comme pour ceux qui n'arrivent pas à faire de KM ou quoi que ce soit, comment faire pour faire une KM, quel comportement il faut avoir pour faire une KM. Donc, pour faire une KM, c'est très simple, hein, il faut. Enfin, ça va se dérouler plutôt en plusieurs étapes en fait, pour faire une KM. Il faut déjà avoir une bonne mentalité, je vais pas rusher dans tous les sens, hein. Surtout pas, faut pas. Si vous rushez dans tous les sens, etc., vous allez soit contourner des gens et vous faire contourner au final. Mais franchement, rusher à donf, ça peut être un joli gameplay comme ça, mais c'est un très mauvais choix pour faire un gameplay. Je dis pas ça parce que je dis pas qu'il faut camper, hein, bien sûr. Je dis qu'il faut éviter de rusher dans tous les sens quand même, parce que c'est un très mauvais choix pour faire des KM. Aussi avoir une classe, enfin règle numéro 2, hein, ça va être plusieurs règles. Règle numéro 1, c'était celle que je vous ai dit juste avant, éviter de rusher dans tous les sens. Règle numéro 2, ça fait un peu bizarre avec les règles quand même, mais c'est pas grave. Règle numéro 2, c'est éviter de dans enfin pas éviter plutôt, ce sera un petit peu con. Jouer avec vos armes que vous adorez. Moi là j'ai de la chance parce que dans le gameplay j'ai ramassé une Vector, c'est l'une des armes où je joue le plus. Vector, Emtar et Remington, c'est les armes où je joue le plus, hein, normal parce que les armes Ghost sont pas top top top, mais bon c'est pas très grave. Essayez de vous faire une classe le maximum qui vous représente le plus en fait. Faut pas que ce soit une arme que vous n'arrivez pas à jouer, genre la VEPR qui met trop de balles ou tout comme ça, une arme que vous détestez ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment con, hein, de mourir près de la KEM alors que vous jouez avec une arme que vous ne maîtrisez pas du tout. Et c'est déjà pour ceux qui débutent dans les KEM, déjà de jouer avec une arme que vous appréciez, de jouer avec une arme qui vous reflète en fait, soit la Vector qui a une bonne cadence de tir quand même, qui fait beaucoup de dégâts, enfin léger cadence de tir quand même, pas très grand non plus comparé à la Mtar.
qui fait vraiment mal à Vector, si vous l'adorez, jouez avec, hein, avec une classe très appropriée. Je vous conseille vraiment le spécialiste. Le spécialiste qui vous, déjà, vous n'avez pas débloqué la KM à 25, mais à 24. Voilà, moi je l'avais pas spécialiste parce que c'était mes classes e-sport, hein. J'avais pas spécialiste parce que voilà, j'avais pas 7 points d'escouade, etc. Et c'est juste que j'y ai pas pensé aussi. Évitez de jouer sans, sans spécialiste parce que déjà, vous allez avoir que certains atouts sur votre classe, vous ne pourrez pas en avoir plus. Voilà, c'est vraiment con. Voilà, faut vraiment éviter tout ça parce que si vous voulez faire une KM facilement, négligez surtout pas le spécialiste. Voilà. Troisième règle, c'est éviter. Comme je vous ai dit dans la première règle, de rusher dans tous les sens. Là, dans la troisième règle, éviter de, enfin, essayer de rester dans un coin de la map. Alors là, je campais pas. Hein, j'attendais juste 2 secondes que mes alliés prennent A. C'était voilà, c'était au cas où que les pour les spawns, hein, c'est parfaitement normal. Évitez que les que vous... enfin évitez, ouais, je sais pas pourquoi je dis éviter, faites en sorte de rester dans une zone. Voilà, moi là jusqu'à la fin de la partie je vais rester dans cette zone là, le côté gauche où il y a pratiquement pas d'alliés, pratiquement vous pouvez avoir un flux d'ennemis qui va arriver, genre ici là, avec je vous dis pas plus, mais ça va arriver parce que prenez ça en compte. À droite, je commençais en série 10 tout à l'heure. Et à droite, il y avait beaucoup plus de monde qu'à gauche. Du coup, je suis resté à droite pour faire voilà le kill. Et du coup, vu que j'étais en série, je pouvais me faire focus. Et beaucoup, ils pouvaient avoir une espèce de peloton de gars qui arrivaient vers vous. Vous tuer pour vos focus, pour vous tuer, pour pas que vous ayez votre, enfin vous ayez votre KM. Du coup, c'est beaucoup plus avantageant d'avoir enfin, d'être dans un côté où personne ne sait que vous êtes, à part une personne qui vous a tué. Après, s'il communique pas, tant mieux pour vous. Voilà, mais le plus important, c'est de rester, voilà, dans une certaine zone de la map. Voilà, c'est, rester dans une zone, pas vraiment bouger dans toute la map, hein. Quand je dis ça, c'est une zone, genre côté gauche, côté droite, etc., milieu. C'est ça, pour moi, c'est ça, les zones. Gauche, droite, milieu. Règle numéro 4, c'est, ne surtout pas, comment dire, ne surtout pas stresser. Si vous stressez beaucoup, vous allez perdre en shoot, c'est parfaitement normal. Bon, moi je suis joueur e-sport, le stress j'arrive à le contrôler. En même temps, ça m'a aussi ma 25e KM, j'arrive à contrôler mon stress pour l'instant. Bon là, essayez pas, là, ça va être du très long. Hein. Non, franchement. Pourquoi je dis ça, c'est parce que voilà, c'est mon dernier kill, je voulais vraiment pas me planter, surtout que j'étais en train de filmer, voilà. N'hésitez pas aussi à temporiser, c'est parfaitement normal ce que je fais, mon radar est brouillé, c'est parfaitement normal, hein, ne vous inquiétez pas. Surtout ne stressez pas, oui, vous allez déjà, si vous stressez, quand vous stressez, vous avez les mamottes, voilà, oui, déjà bonne chance, hein, vous allez être dans la merde, parce que voilà, stressé, déjà vous allez lâcher votre joystick sans faire exprès quand vous allez tirer ou viser, ça va vous handicaper. Voilà, je débloque ma KM dans le dos, c'est pas voilà, c'est pas tant pis, hein. Voilà, ça va vous handicaper, donc évitez de stresser et voilà, sinon vous allez vous planter tout simplement. Voilà, alors le gameplay va tout simplement être terminé. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire dans ce gameplay, tout comme dans cette vidéo plus particulièrement, pour vous expliquer comment faire votre KM, etc. Plus une petite info, etc. Donc voilà, je termine sur un 25-0, une KM parfaite, voilà, avec des 3 petits blancs. Hein, voilà. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à la Neobank TV et à venir passer sur ma chaîne pour voir toutes mes vidéos si mon commentaire vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas, bah, à mettre un j'aime si ça vous a plu et un petit commentaire pour me dire ce que j'ai à m'améliorer ou quoi que ce soit, ou des petits des si vous des si vous voulez des petits conseils sur certaines choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Neobank TV. Allez, salut tout le monde. Bye.